L'écriture, c'est un moyen pour raconter la vie, quoi. Moi, j'ai commencé par la poésie au niveau de l'écriture parce que je crois que mon premier terrain de liberté, je dirais, c'est la musique. Et que pour moi, la poésie, c'était ce qu'il y avait de plus proche de la musique. Pour moi, la musique, et notamment le chant, il y a quelque chose qui est lié à une énergie assez solaire. Quand je pouvais pas chanter parce que j'étais trop fragile, l'écriture était là pour me rattraper au vol, quoi. Dans un premier roman, je crois qu'on a un rapport très très intime à ce qu'on défend, à ce qu'on raconte, aux personnages qu'on met en scène. Il y a un lien extrêmement étroit. Écrire, c'est travailler avec la rupture, c'est travailler avec l'intime. Donc c'est forcément, ça demande, je crois, pour faire des objets intéressants, une mise en danger qui est réelle, de plonger en profondeur et ça demande du temps en fait, d'aller voir nos monstres, d'aller les voir les yeux dans les yeux. Le premier album, le premier objet qu'on livre et qu'on partage et qui est publié, c'est bouleversant parce que ça nous échappe et que c'est quand ça nous échappe que ça devient intéressant, je crois. Pour moi, c'est lié à la musique. Quand j'entends vocation, j'entends être dans la voie juste et juste pour soi. Et du coup, ça, c'est émouvant, je trouve.